Délirante, tu sais. Oui, on a vu son spectacle à Londres. Ah, tu peux pas savoir. Non, c'est du très grand porno, oui. Et elle fait un numéro extra. Mais ce qu'elle chante, c'est sans intérêt, vraiment. Non, ce qui compte, c'est l'œuvre dans son ensemble. D'ailleurs, les paroles des chansons ne sont pas si nulles, non. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne comprend pas toujours ce qu'elle dit. Oui, elle passe son temps à gueuler à tue-tête comme une folle. Non, il faut que tu la vois sur scène. Elle a tellement de bourrelets de graisse et elle est si laide qu'avec l'horrible tenue qu'elle a, on pourrait croire qu'elle est belle. Et c'est bien. Alors, quand est-ce qu'elle passe? Et on te prendra des places si tu veux. Et pour Silke aussi. Il faut avant tout être. Je ne sais pas si c'est vraiment le moment. C'est en effet assez plaisant. Tout plaisir, en réalité, consiste à obtenir une vraie réponse à une question qu'on n'avait pas posée. Mais je ne vois pas en quoi consiste l'insolence. Dans l'anticipation pure et simple de l'inévitable. Inévitable. Qu'est-ce qui est inévitable, selon vous? L'échange rituel des numéros de téléphone. Après, j'additionne tous les chiffres ensemble et celui que j'obtiens peut parfois être le même que celui de l'amour. Quel est votre numéro? Et si vous donniez d'abord le vôtre? Zéro. C'est un résultat impossible à déterminer. C'est mon destin. C'est embêtant. Je n'ai pas le téléphone. Eh bien, dans ce cas, permettez-moi de vous laisser mon numéro. Voici ma carte. Et souvenez-vous de l'enfer. Comment ça, de l'enfer? Pourquoi, vous ne savez pas ce que c'est? Si, c'est un feu. Erreur, c'est un film. Oui, un film sans fin, qui se répète sans cesse et dans lequel on revoit continuellement tout ce qu'on a raté dans notre vie. Tous ces échecs causés uniquement par la bêtise. Et il s'est retrouvé toute nue dans le truc. Bon, ça suffit maintenant. Et que puis-je faire pour vous? Je n'ai pas l'habitude de ne pas réagir quand on drague les femmes qui sont en ma compagnie. Je suis désolé, mais je ne pouvais pas savoir. On s'en va. Vous trois, peut-être bien. Mais je reste. Non, tu vas te lever et venir avec nous, c'est compris? S'il te plaît, Hans, j'ai horreur des scandales. On a raison de plus. Tu as réglé l'addition? C'est fait. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va boire le dernier ailleurs? Moi, je suis d'accord. Et qu'est-ce que t'en dis? Vous voulez? Que diriez-vous de la tortue? Ah non, je regrette, mais j'y suis interdite de séjour. Et pourquoi on n'irait pas au Dimple? Là aussi, on ne me laissera pas entrer. Eh bien, ma chérie, moi, je connais un endroit où on ne t'empêchera pas d'entrer. Et quelle est cette merveille? Au troisième étage du 8 Schanfeldstrasse. Tu pourras boire tout ce que tu voudras et à l'œil. Qu'en dites-vous? D'accord, allons chez toi, Silke. Oh, quand je pense que demain, je dois me lever aux aurores. Le mieux à faire dans ce cas-là, c'est de ne pas aller se coucher. Ah, pourquoi pas? Qui c'était ce type au bar? Je ne sais pas. Il t'a donné sa carte de visite? Je n'ai pas eu le temps de la regarder. Il t'a demandé de l'appeler? Sinon, pourquoi m'aurait-il laissé sa carte de visite? Ça n'explique pas que tu aies accepté. Parce que je suis polie, figure-toi. Surtout parce que tu veux l'appeler. Tu ne vas pas encore commencer avec... Donne-moi sa carte. Non. Parce que tu as l'intention de l'appeler. Écoute, je ne sais pas encore si je lui téléphonerai. Mais par contre, je peux te promettre que si tu continues à me soupçonner comme ça, ce sera fini entre nous, crois-moi.
pas mes clés. Elles doivent être au fond de ton sac. Mais non, elles n'y sont pas, j'ai regardé. Tu les as peut-être perdues dans ce bar. Oh, mais c'est impossible, voyons. J'ai sûrement dû les oublier à la galerie tout à l'heure. Tu en es bien sûr? Mais oui, j'en suis sûre, qu'est-ce que tu crois? Et je sais pourquoi je les ai oubliées. J'ai eu besoin du trousseau pour ouvrir mon secrétaire avant de partir. Elles doivent certainement être encore là-bas. Oh, ça ne vous embête pas trop si on fait accrocher par la galerie? Hein? J'espère au moins que t'as pas perdu les clés de la galerie. Tiens. Tiens, les voilà. Rassurés. Fais demi-tour, Tom, s'il te plaît. J'en ai pour 5 minutes. Qu'est-ce qu'elle fout encore? Elle est peut-être en train de téléphoner. Mais à qui veux-tu qu'elle téléphone? À quelqu'un qui viendrait juste de lui donner son numéro de téléphone. Tu veux pas t'y mettre toi aussi, non? Oh, voyons, Anna, tu la connais aussi bien que moi, notre chère Silke. Ce qu'elle veut, elle le veut tout de suite. Est-ce que vous avez l'esprit mal tourné? Elle a seulement pris la carte pour se débarrasser de lui. Et au lieu de provoquer Hans comme tu le fais, tu ferais beaucoup mieux de t'excuser, Tom. Et comme par hasard, elle a oublié son trousseau de clés dans un endroit discret pour téléphoner. Oh, ça suffit maintenant, arrête. Elle se fout de ma gueule. Elle a même pas allumé la lumière. Je vais voir ce qu'elle fait. Violemment frappée à la tête avec un objet massif comme cette statue, par exemple. Elle est morte pratiquement sur le coup, la boîte crânienne est fracassée. Alors, qu'est-ce que ça donne? Où la statue a été essuyée, où l'assassin avait des gants. Combien de temps s'est-il écoulé entre le moment où Madame Fry est entrée dans la maison et le moment où vous êtes parti la chercher? C'est difficile à dire avec précision, 10 ou 12 minutes, pas davantage. Et vous êtes bien certain qu'il n'y avait aucune lumière dans toute la galerie quand vous êtes sorti? Ah oui, c'est aucune sûr, lumière. Ça. Et c'est Madame Fry qui a ouvert la porte qui donne sur la rue? Oui. Mm-hmm. Et lorsque vous êtes entré, vous avez trouvé la porte de la galerie ouverte ou... Oui. Mm. Occupe-toi de ça, tu veux? Monsieur le commissaire, voici Monsieur Fry, le mari de la victime. Monsieur le commissaire Custer. Vous savez déjà ce qui s'est passé? Qui vous a mis au courant? Moi. Ah, c'est vous. Alors, vous étiez donc chez vous? Mmh. Où exactement? Rue des Alouettes. Comment ça s'est passé? Apparemment, des cambrioleurs qui auraient été surpris par votre femme et qui l'auraient tué pour l'empêcher de les reconnaître. Des cambrioleurs? Ça me paraît difficile à croire.
Avec un système d'alarme, deux serrures renforcées, je me demande comment ils auraient fait pour entrer. Bon, on sera fixé quand les experts auront terminé leurs analyses. Mais à première vue, les cambrioleurs ont dû ouvrir la porte avec des clés. Ils savaient comment faire pour débrancher le système d'alarme. Non, c'est ridicule. Nous étions les seuls à avoir les clés, ma femme et moi. Mais qui a pu enlever les tableaux qui manquent? C'est vous, votre femme ou les cambrioleurs? Pourquoi ce serait moi? Ce n'est pas ma galerie, je n'avais pas à m'en mêler. Puis j'ai ma propre affaire. Un grand magasin d'antiquités. Non. Je n'arrive pas à croire que ma femme ait pu enlever les tableaux. Je ne suis venu qu'une fois pour le vernissage de l'exposition, mais j'avais cru comprendre qu'elle devait durer encore plusieurs semaines. Non, je suis convaincu que les cambrioleurs ont préféré enlever les toiles de leur fichu cadre pour les transporter plus facilement. Est-ce qu'il manque beaucoup de tableaux, d'après vous? C'est assez difficile à dire comme ça. Mais je peux consulter le catalogue demain à la première heure et je vous répondrai assez rapidement. Vous savez si elle avait des gens à son service? Enfin, des collaborateurs? Oui, Madame Borer, Charlotte Borer. Je sais qu'elle habite place Kutcher, mais je n'ai pas de numéro. Elle travaillait avec ma femme depuis l'ouverture de cette galerie, c'est-à-dire 3 ans. Il y avait aussi une jeune fille, Inès, qui travaillait pour elle. Mais je ne connais même pas son nom de famille. Pas d'autres employés? Non, personne. Et la femme de ménage, elle n'avait pas des clés? Il va sûrement y avoir une femme de ménage, mais j'ignore comment elle s'appelle. Et puis ça m'étonnerait beaucoup qu'elle ait un trousseau. Dans toute étoile que vous voyez exposée ici doit valoir plus d'un million. Eh bien, je vous remercie d'être venu, ce sera tout pour cette nuit. Vous pouvez rentrer chez vous. D'ailleurs, j'ai vos noms, vos adresses, vos numéros de téléphone. Si jamais j'avais encore besoin de vous, je passerai vous voir chez vous. Voilà. Bonne nuit, hein. Bonne nuit. Ah, bonjour, monsieur Fry. Bonjour, commissaire. J'ai essayé de vous joindre à votre appartement, mais sans résultat. Je suis comme tout le monde, je travaille. Ben, c'est vrai, c'est vrai, mais je ne pensais pas vous voir ici aujourd'hui. Je ne saisis pas. Je suppose que vous étiez à votre appartement hier soir. Oui, Wagner n'aurait pas téléphoné sans ça. Bien sûr, et après ça, vous êtes allé à la galerie directement. Oui. Et vous savez, monsieur Fry, c'est pas toujours facile de faire mon métier. Hein. D'un côté, il y a un meurtre dont il faut que je m'occupe, et puis de l'autre, il y a la vie privée des gens que je dois essayer de ménager, vous comprenez? Non, non, mais venez, nous serons mieux par là. Merci, monsieur Fry. Asseyez-vous, je vous en prie. J'aimerais que vous me parliez un peu de votre femme, des personnes qu'elle fréquentait, enfin, des rapports que vous aviez avec elle aussi. Si vous voulez. Je m'en tiendrai donc à ma dernière rencontre avec elle. On s'est séparés d'un commun accord il y a quelques années de ça, déjà. Vous comprenez, nous avions chacun notre affaire, elle sa galerie, et moi ce magasin. Et un beau jour, elle a quitté le domicile conjugal. Elle avait son appartement et moi le mien. Et de toute façon, ça ne pouvait pas se terminer autrement. Elle avait des amants. Et j'avais des maîtresses, évidemment. N'avez pas songé à divorcer? Non, nous n'avons pas divorcé. Je ne sais pas pourquoi, peut-être par sentimentalisme. Peut-être aussi à cause de notre attachement. Lorsque j'ai épousé Silk, elle était encore une enfant, elle a grandi avec moi, c'est un peu comme si je l'avais faite. Dites donc, vous avez des intérêts en commun avec votre femme, M. Fry? Non, moi je m'occupais de mon magasin et elle de sa galerie. Ça nous permettait aussi de payer moins d'impôts. Ah. Et bien entendu, nous n'avions pas le même compte bancaire. Savez-vous comment allaient les affaires de votre femme? Très bien, je crois. Pendant que je misais sur le style, elle a préféré se lancer dans le néo-réalisme. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah, pas du tout, non. C'est un style qui a fait fureur dans les années 20-30 et qui revient de plus en plus à la mode.
Oui, je dirais en étant plus terre à terre, que ma femme a acheté très bon marché d'étoiles qu'elle revend maintenant très cher. Et pour l'étoile, vous savez combien il en manque? Comment le saurais-je? La galerie est sous scellée. Ah oui, bien sûr, oui. J'avais complètement oublié. Oui, d'abord, ça m'arrive. Dites-moi, vous avez les clés de la galerie? Oui, elles sont restées chez moi. Voilà. Bon, eh ben, je vous remercie pour tout, monsieur Fry. Au revoir. Au revoir. J'aimerais voir vos mains, monsieur Fry. Vous voulez voir mes mains? Oui, par routine. Voilà, je vous les rends, tout va bien. Au revoir. Bonjour. Oh. Ah, bonjour. Non, mais vous vous rendez pas compte? Vous m'avez fichu une de ces frousses. Oui, on irait bien. Mais comment êtes-vous entré? La porte était fermée à clé. Grâce aux clés que Madame Frey avait oubliées dans la galerie. Celles qu'elle ne trouvait pas. Mais qu'elle savait avoir oubliées. Et au lieu du trousseau de clés, elle a trouvé la mort. Et vous, qui vous les a donnés? Cécile, que... Dites-moi, alors, pourquoi le soir du meurtre, vous ne lui avez pas donné vos clés? Si vous l'aviez fait, elle ne serait sans doute pas venue chercher les siennes et rien de tout ça ne serait arrivé. Oui, je sais, mais je ne les avais pas sur moi. Est-ce que vous viviez ici avec Madame Frey? Non, nous avions chacun notre appartement. Mais je venais souvent ici. J'étais seulement venu récupérer quelques affaires qui m'appartiennent. J'aimerais pouvoir tout enlever avant que son mari ne reprenne l'appartement. D'après tout, c'est normal, c'est lui qui va hériter de ses biens. Vous êtes en mauvais terme avec son mari? Non, pourquoi? Alors, pourquoi avez-vous l'air pressé de tout emporter? Vous vous trompez, non, on se connaissait à peine, on n'avait pas de raison. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai appelé hier soir pour le mettre au courant, non? Savez-vous quel genre de rapport ils avaient entre eux? Oh, Silke s'était toujours montré discrète sur ces sujets. Mais j'ai cru comprendre qu'ils avaient eu des disputes dernièrement au sujet de l'argent. Oui, la galerie de Silke marchait plutôt bien, mais le magasin d'antiquité était un peu sur le déclin. Et d'après vous, il lui aurait demandé de l'argent? Beaucoup? Oh, j'en sais pas plus. Et vous, financièrement parlant, est-ce que ça va comme vous voulez? Ça, on peut dire que financièrement, je m'en sors bien. Je suis l'un des romanciers de science-fiction les plus lus. Vous aimez la science-fiction? Pour être sincère, non. Dommage. Vous permettez au moins que j'enlève mes affaires? Non, j'aimerais d'abord faire perquisitionner tout l'appartement. C'était des cambrioleurs, pourquoi fouiller son appartement? Parce que des cambrioleurs qui ne fracturent aucune serrure, c'est normal pour vous. La clé de la porte d'entrée plus les trois de la galerie, vous ne trouvez pas que ça fait beaucoup de clés? Et vous aviez celle de l'appartement?
Lorsque je me suis rendue à mon travail l'autre matin, on avait mis les scellés. Et c'est la concierge qui m'a tout raconté. C'est vraiment terrible. Attendez, vous étiez donc au service de Madame Fry et vous vous appelez Inès? Oui. Et l'autre employée, c'est Charlotte Baker? Oui. Enfin, c'est-à-dire, jusqu'à il y a un mois, elle faisait encore partie du personnel. Mais un jour, j'ai compris qu'elle buvait assez souvent. Et même pendant son travail, vous vous rendez compte? Oui, je me rends compte. Bon. Pardon? Non, non, rien, continuez. Oui. Et avec le temps, elle s'est mise à boire un peu trop. Madame Fry n'aimait pas ça du tout, elle lui en a souvent fait le reproche. Elle lui a même dit qu'elle la mettrait dehors si elle n'arrêtait pas. Mais elle s'est encore fait surprendre. Cette fois, elle avait caché une bouteille dans le placard. Lorsqu'elle l'a vue, Madame Fry l'a fichue dehors, sans aucun préavis. Mais Madame Baker ne l'entendait pas de cette oreille et elle a porté l'affaire devant le tribunal des prud'hommes. Mais si elle a perdu, c'est à cause de moi. J'ai été obligée de venir témoigner qu'elle buvait souvent. Et par la suite, Madame Baker a proféré des menaces. Elle disait qu'elle avait participé dès le début à la fondation de la galerie. Et elle n'entendait pas se faire mettre à la porte comme ça. Elle disait que Madame Fry avait accepté de lui donner un pourcentage sur les bénéfices et maintenant elle ne voulait plus, car les bénéfices devenaient importants. Et elle a juré qu'elle viendrait chercher son dû un jour. Peu importe comment. Oui, c'est bien ce qu'elle a dit, j'étais là. Est-ce que Madame Baker avait les clés de la galerie? Oui. Elle les a jamais rendues, d'ailleurs. Avez-vous l'adresse de Madame Baker? Charlotte Baker, 11 place Arthur Kutcher. Charlotte Baker, voilà. 11 place Arthur Kutcher. Et voilà. Encore une question. Et ce monsieur Wagner, vous le connaissiez? Oui. Quels étaient ses rapports avec votre patronne? Pourquoi me demandez-vous ça? Essayez plutôt de répondre à la question. De toute façon, c'est lui qui a découvert le cadavre de Madame Fry. Ou du moins qu'il prétend. Et alors? Voyez-vous, dans mon métier, on doit envisager toutes les possibilités. J'ai donc besoin de savoir quels étaient les rapports entre Monsieur Wagner et Madame Fry. Très bon. C'était son petit ami, n'est-ce pas? Que voulez-vous que je vous dise? Je ne passais pas mes nuits sous son lit. Je vous ai demandé s'ils étaient tous les deux bons amis ou non. Hypocrite. Et alors? Leur liaison durait déjà depuis 2 ans. Il était très gentil. Vous ne les avez jamais entendus se disputer? C'est un homme terriblement jaloux. Il téléphonait au moins 3 fois par jour pour connaître les moindres faits et gestes de sa maîtresse. Avait-il des raisons d'être jaloux, au fait? Il faut dire que Silke avait une vie mouvementée. Elle sortait souvent avec la plupart des artistes, les peintres dont nous exposons les tableaux. Hans avait du mal à comprendre toutes ces sorties. Est-ce qu'ils se disputaient? Oui. Des disputes sérieuses? Oui. Et après, tous les soirs, on avait droit à la réconciliation. Encore plus sérieuse que d'habitude. Mais je croyais que vous n'étiez pas sous leur lit. Vous savez, il arrive parfois, mon cher monsieur, que les femmes se fassent des confidences. Ben voyons. Simple échange d'impressions, rien de plus. Il existe bien d'autres possibilités pour faire la comparaison. Ah oui, vraiment? Oui. Je sais qu'ils se sont disputés l'autre soir. Il discutait avec un inconnu au bar. Et je sais qu'il lui a remis sa carte de visite. Témoin de cette histoire, Hans lui a fait immédiatement une scène. Comment savez-vous tout ça? Parce que nous avons trouvé la carte de visite sur le bureau de la galerie. Et pour qu'elle s'y trouve, il fallait qu'elle l'ait sortie de son sac pour téléphoner. Et après? Est-ce qu'elle l'a appelé l'autre soir au téléphone? Non, c'est impossible. Il n'est parti de la boîte qu'une heure après. Mais elle a dû essayer. Wagner peut avoir tout entendu et s'être laissé emporter. Oui. Hans est coléreux, c'est vrai. Il a déjà frappé. Et les tableaux, alors? Ils n'ont pas disparu comme ça, tout de même.
Comment saviez-vous qu'il manquait plusieurs tableaux? Tom m'en a parlé au téléphone. C'est justement la question que je me pose. Wagner n'aurait pas eu la possibilité de sortir l'étoile de leur cadre aussi rapidement. Et alors? Alors je voudrais bien savoir si ce n'est pas elle qui a enlevé l'étoile de leur cadre. Mais pour quelle raison? C'est à vous que je le demande. Vous n'avez aucune idée? Aucune. Et c'est d'autant plus curieux que nous sommes partis ensemble vers 18h30. Je vous remercie, mademoiselle... Zibon. Oui, Zibon Inès. Ah oui, puis-je avoir aussi votre numéro de téléphone? Madame Baker! Brigade criminelle, ouvrez s'il vous plaît, madame. Madame Baker! Madame Baker! Vous ne voyez donc pas que je dors? Eh non, vous êtes réveillée maintenant. Commissaire Custer de la brigade criminelle. Vous devriez avoir honte d'importuner de si bon matin une femme qui dort. Vous êtes peut-être réveillée, mais je vous ai pas importunée. Parce que vous trouvez normal de réveiller les gens comme vous le faites? Ah, il faut que je vous parle plus doucement, c'est ça, Madame Baker? Vous n'aviez pas le droit de m'ennuyer ainsi. Je vous traînerai en justice, commissaire. Ça ne se passera pas comme ça. Vous vous croyez très fort, parce que vous ne savez pas. Allez donc vous habiller, madame Baker. À tout à l'heure. Dépêchez-vous, j'ai pas que ça à faire. Vous pouvez m'entendre, non? Alors interrogez-moi. Mais vous ne faites pas de fausses idées. Je trouve insupportable de parler avec vous avec cette porte qui nous sépare. Vous savez quelle a été la journée la plus insupportable de ma vie? Non. À mon 30e anniversaire. Ce jour-là, j'ai su que j'étais irrémédiablement adulte. Je me suis saoulée pendant 3 jours. Ah, c'est excellent pour le foie. C'est gentil de me dire ça. Madame Baker. À quoi ça vous avance, tout ça? Bah, allez-y, commissaire, ne vous gênez pas. Déshabillez-vous vite et venez me rejoindre. Je regrette beaucoup, madame, mais c'est impossible. Je suis en service, vous comprenez? C'est parce que vous avez peur que vous faites l'idiote. Et vous, vous êtes toujours aussi paternaliste quand vous interrogez les gens? Mais parce que je suis un peu trop vieux pour jouer encore les séducteurs. Vous avez tort de croire ça. J'aime beaucoup les hommes mûrs. C'est peut-être la seule explication. De toute façon, madame Baker, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un meurtre. Ah, un meurtre! Mais c'est horrible! C'était pas très bon, hein? J'ai rien dit. C'est comme ça qu'on montre la ravissante idiote au cinéma, et j'ai toujours rêvé d'être une ravissante idiote. Prochainement, sur tous vos écrans, la ravissante idiote et le vieux monsieur qui posait des questions.
S'il vous plaît. Madame Baker, il s'agit réellement d'un meurtre. Oui, je sais. Silk Fry a été froidement assassiné à la galerie l'autre soir. Comment pouvez-vous le savoir? On n'en a pas encore parlé dans la presse. Et qu'est-ce que vous en déduisez? Je vous écoute, commissaire. Qu'en pense le criminologiste de tout ça? Il n'y a encore aucun article dans la presse, et je sais tout. Eh bien, c'est peut-être moi qui l'ai tué. Où étiez-vous le soir du meurtre? Ici. Enfin, dans mon lit, pas dans la baignoire. Seul? Vous n'êtes pas gentil. Avec qui? C'est que j'ai un peu honte de vous l'avouer. J'avais deux hommes dans mon lit. Je n'aurais rien dit, mais si c'est un meurtre... Mais ça fait beaucoup de... Avec le premier, j'en avais fini vers minuit et demi environ. Je suis passée au second. Malheureusement, je ne pourrais pas vous dire combien de temps il a tenu. J'ai certainement dû finir par m'endormir. Oh, il devrait être encore au pied de mon lit. J'ai la vague impression que vous avez bu jusqu'à plus soif hier soir. C'est normal pour une alcoolo. Je bois énormément. En réalité, je me fais que boire. Je me sens bien que quand je suis saoule. Je commence à boire le matin pour arrêter de trembler. À midi, parce que c'est bon pour la circulation du sang. Le soir, pour faire comme tout le monde. Et la nuit, pour oublier ma peur. Et vous, vous avez peur la nuit? Tout le monde en est là. Moi aussi, quand je dors mal, je me lève pour aller boire une bière. Ça, c'est tout à fait moi. La seule différence que moi, je ne vais pas chercher une canette de bière, mais un ou deux flacons de whisky. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas allé à la galerie cette nuit-là? Écoutez, laissez-moi sortir de mon bain et nous en parlerons sérieusement. Bon. C'est grâce à moi si la galerie est si réputée. Silk ne connaissait rien du tout en peinture. Elle avait dû lire quelques bouquins sur la question, rien d'important en tout cas. Des banalités qu'elle avait avalées en vitesse. L'art abstrait en 10 chapitres, le perfectivisme moderne. Enfin, tout le charabia qu'on entend tout le temps. Mais se trouver devant un tableau et pouvoir dire « celui-ci est bon », elle en était incapable. Les toiles, c'est moi qui les ai choisies. Elle m'avait coûté une bouchée de pain et je suis sûre qu'elle devait les revendre 10 fois le prix. Je lui avais demandé 10% sur les bénéfices, pas plus. C'est pour ça qu'elle m'a virée. Et parce que vous buviez trop. Oh, oui. Je bois depuis longtemps et j'ai l'intention de continuer. Vous pensez peut-être que lorsque j'ai acheté toute cette toile, j'étais à jeun. Détrompez-vous. Mais à l'époque, ça n'avait pas l'air de la déranger beaucoup. Lorsqu'il était l'heure de passer à la caisse, je redevenais l'employé qui n'arrête pas de boire et qu'on peut virer sans préavis du jour au lendemain, sans lui payer les indemnités qui lui reviennent de droit. J'aurais pu la tuer. Excusez-moi. Vous avez bien dit que vous étiez prête à tout pour récupérer ce qu'elle vous devait. Vous l'avez dit oui ou non? Oui, c'est exactement ce que j'ai dit. Qu'est-ce que vous vouliez dire par prête à tout? Rien. Rien de précis, en tout cas. C'était une façon de me défouler. J'aimerais bien savoir quel genre de stratagème vous aviez cogité pour vous rembourser vos 10%, si ce que vous dites est vrai. Non, non, vous faites fausse route. J'étais en colère parce que je n'avais rien trouvé. Vous avez encore les clés de la galerie? Oui. Est-ce que vous savez comment il faut s'occuper des tableaux? Je ne comprends pas. Ben, comment on les encadre? Comment on les sort des cadres? Bien sûr, pourquoi est-ce que vous me demandez ça? Parce que le cambrioleur savait comment s'y prendre, lui.
Il faut que j'y aille. Comment avez-vous appris la mort de Madame Fry? Par la femme de ménage, le lendemain. Vous avez fini, je peux m'en aller, non, s'il vous plaît. Non, vous devez rester encore un petit peu, madame. Je peux boire quelque chose? On n'a pas grand-chose ici. Hein. Un verre de bière, alors. Vous êtes le suspect numéro un, vous savez. Vous croyez peut-être que je vais m'enfuir? L'alcool rend les gens agressifs. Ce ne serait pas la première fois que quelqu'un commettrait sous l'emprise de l'alcool un acte dont il refuse la paternité, mais qu'en réalité, il avait l'intention de commettre, pour ensuite nier tout en bloc. Si je ne trouve pas à boire, je risque de vous avouer n'importe quoi. Pour un verre de schnapps. Ça serait pas malin de votre part, parce que vous risqueriez d'en être privé pour un bon bout de temps, croyez-moi. Ce ne serait pas très drôle. Suivez-moi. Alors, qu'est-ce que tu penses d'elle? Difficile à dire. Elle se comporte exactement comme si... Mais d'un autre côté... J'ai des doutes, moi aussi. Elle semble prête à avouer n'importe quoi. C'est inhabituel. Oui, ou alors elle est très, très intelligente. Ça pourrait être un bon truc qu'elle nous joue. Bien fraîche, et vous, vous prenez quelque chose? Non, je vous remercie. Vous savez quoi? J'ai lu quelques-uns de vos bouquins. Ah oui? Alors, je croyais que vous n'étiez pas attiré par la science-fiction. Alors, ça vous a plu? Ce sont presque toutes des histoires de meurtre. Je veux que vous sachiez, inspecteur, que je n'ai encore pas pu ou voulu imaginer l'avenir sans violence. Et le mobile qui revient le plus, c'est celui de la jalousie. Exactement comme dans la vie. Monsieur Wagner, vous êtes-vous, oui ou non, disputé 5 fois avec Madame Fry au cours des 3 dernières semaines? Vous êtes mal renseigné. Il y en a eu 7 en tout, pas 5. Vous l'avez menacée, avouez-le. J'étais amoureux d'elle. Je lui avais demandé de divorcer. Je voulais qu'elle m'épouse. Et cette femme, que vous aviez l'intention d'épouser, téléphone tout à coup à un type qu'elle ne connaissait même pas un quart d'heure avant. Oui, j'ai vu la carte de visite sur le bureau de la galerie. Je crois qu'elle a dû se faire surprendre par l'assassin. Non, jamais un cambrioleur n'aurait agi de cette façon. Il l'aurait laissé parler et après son départ, il aurait repris son travail. Dans un de vos romans, c'est ainsi que se comporte Cusio, dans Alpha Centaure 2. La situation y est bien différente, mais enfin, si vous y tenez. On peut citer aussi Anno qui, dans Station Adieu, tu sais bien aimer, au moment où elle voulait prendre contact avec un des hommes du vaisseau spatial. Parce qu'il avait compris qu'elle n'était plus un être humain. Il ne pouvait pas faire autrement. Et pour l'étoile, qui a pu les décrocher? Je me le suis demandé aussi. Peut-être y avait-il un cambrioleur qui s'est comporté exactement comme Cusio et un meurtrier qui s'est comporté exactement comme Anno. Mais tout ça la même nuit. Oui. Jamais je n'oserais publier une chose pareille, aussi invraisemblable qu'elle soit. Fry, vous vous souvenez que vous vouliez que je fasse l'inventaire? Eh bien, impossible d'ouvrir cette porte. Ah, je comprends pas, on vient d'enlever les scellés, voyons. Et vous avez un trousseau, vous? Oui, mais il n'y a que 2 clés qui marchent. La 3e ne veut rien savoir. Ah, c'est bizarre, ça. Essayons celle de votre femme, alors. Eh ben voilà. Vous connaissez Madame Baker? Bien sûr, elle travaillait pour ma femme. Vous savez pourquoi on l'a mise à la porte? Vous en êtes sûr? Je pensais qu'elle était partie de son plein gré. Aucune idée sur ce qui a pu se passer. Ah non, non, mais vous allez me le dire.
Elle m'avait fait une bonne impression. C'est vrai qu'elle avait un sens inné des affaires. Vous saviez qu'elle buvait. Ça veut dire quoi, ça? Elle aimait bien boire un coup de temps en temps, oui, je ne le conteste pas, mais elle ne méritait pas d'être licenciée pour ça. Bah, votre femme n'était apparemment pas de votre avis. Ah, j'y comprends rien. Elles se sont toujours très bien entendues, enfin, tant que m'en souvienne. Et votre femme s'est entendue avec elle parce qu'elle savait comment se procurer un tableau à bas prix. Et quand les premières toiles ont commencé à se vendre et que Madame Baker a réclamé son dû, votre femme ne l'a plus du tout trouvé gentille. Vous semblez avoir une piètre opinion de ma femme. Oh, mais vous non plus, vous ne l'appréciez pas tellement, votre femme. Mais qui a dit ça? Mais vous ne viviez plus ensemble tout de même. Elle avait très mauvais caractère. Elle était calculatrice et froide. Mais c'était pas une raison pour la tuer. Vous savez, tous les problèmes de la surpopulation seraient vite résolus si on tuait tous ceux qui sont froids et calculateurs. Il manque beaucoup de toiles? Non, rien d'important à première vue. Je crois même qu'il ne manque aucune toile du catalogue. Enfin, vous devez savoir quels sont les tableaux qui ont de la valeur dans cette galerie. C'est la moindre des choses. Moi aussi, je suis un marchand d'œuvres d'art. Toujours est-il que c'est moi qui ai eu l'idée de cette galerie. C'est moi qui ai tout arrangé. Madame Baker m'a tenu les mêmes propos. C'est marrant que deux grands spécialistes aient pu avoir la même idée, que ce soit le dilettant qui en profite. Ça vous surprend? Ça arrive tous les jours. Et, monsieur Frey, je vous laisse les clés de votre femme. C'est vous qui héritez, après tout. Hein? Cette histoire de licenciement me laisse plutôt perplexe. Vous êtes sûr qu'elle l'a licencié? Ah oui, sans préavis. Tenez, regardez. C'est adressé à la galerie Strøli de Zurich. Celle-ci est la galerie Christiansen de Copenhague. Et à la galerie Nathan de Paris. Et c'est la même question partout. Êtes-vous intéressé par réalité nouvelle? Et à chaque fois avec du papier en tête, non pas de la galerie, mais provenant de celui de Charlotte Baker. Mais elle travaillait déjà plus à la galerie quand elle a décidé d'envoyer tout ça, voyons. Si c'est pas une preuve, ça. Elle voulait voler l'étoile et elle s'empressait de trouver un acheteur. Ce ne sont peut-être pas les mêmes tableaux. Lesquels? On n'en a pas trouvé chez elle. À part tous ces gros tubes de carton et ces petites caisses en bois pour le transport, rien. On lui a envoyé des réponses. Oui. Attendez. Nous sommes intéressés par votre offre. Envoyez-nous plus de précisions. Et ici, regardez. Je vous serai gré de m'envoyer de plus amples renseignements au plus vite. Il faudra y aller. Où ça? Mais... Où ça? Et qui? Ben toi. Je voudrais savoir si elle a visité les galeries mentionnées et surtout si elle a fait toutes ses offres. Avant que j'oublie, ce sont les clés que Madame Baker avait cachées dans l'appartement. Ce sont peut-être celles de la galerie. Après tout, il s'agit de mon travail, non? Achat et vente d'antiquités. Ce que je veux surtout, c'est acheter. C'est logique, vous ne trouvez pas? Et il s'agit de la partie la plus difficile. Et aussi de la plus délicate. Prenez par exemple ce tableau que j'ai acheté à Londres pour... Est-ce que Madame Baker est venue vous voir à Copenhague, Monsieur Devriès? Bien sûr qu'elle est venue. Même que nous avons longtemps parlé du néo-réalisme. Je vous assure qu'elle est particulièrement au fait de cette question. Elle disait que les expressionnistes avaient toujours été déconsidérés à tort par la critique, et pourtant ce dépouillement du détail, ajouté à la majesté du réel qu'on ne retrouve que dans certains tableaux, ont été utilisés bien avant par les peintres du néo-réalisme. Excusez-moi de vous interrompre, mais je ne suis pas venu à Copenhague pour entendre une conférence sur l'art. Dites-moi seulement quelles sont les toiles que Madame Baker a proposé de vous vendre. Proposé de me vendre? Ah non, elle ne m'a rien proposé du tout. C'est vrai, nous avons parlé de Carnot et de Schrimpf, et de quelques autres aussi. Mais nous n'avons jamais fait allusion à une toile en particulier ou à un quelconque prix.
Croyez-vous qu'il soit possible de vendre des toiles volées? Vous savez, il faut compter avec les collectionneurs qui... Non, je veux dire de les vendre à des marchands de tableaux. Oui, je comprends, mais c'est... Une question assez délicate, c'est bien ça. Non, non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, au fond, c'est surtout un problème commercial. Il est pratiquement impossible de revendre une toile volée. Et bien sûr, il est tout aussi impossible de l'exposer. On est donc obligé de la mettre au moins 5 ans à l'abri. Mais ça veut dire aussi que tout le capital investi est immobilisé pendant plus de 5 ans et qu'il ne rapportera pas le moindre intérêt. Il y a une question que beaucoup ne se posent jamais. C'est de savoir si la demande de l'objet sur le marché est toujours aussi forte, et cela malgré une absence dans les galeries et les salles de vente. Et pour finir, il faut tenir compte de l'aspect moral du problème. Que vous glissez à la fin? Non, je ne l'ai pas glissé. Mais c'est tellement évident pour moi que j'ai supposé qu'il devait en être de même pour vous. Et j'en conclus que vous avez éconduit Mme Baker quand elle est venue vous proposer de vous vendre des toiles sans certificat. Oui. Mme Baker, nous savons de sources sûres que vous êtes allée à Copenhague et à Zurich voir des antiquaires pour négocier la vente de tableaux néo-réalistes. De quelle toile s'agissait-il? Non, je n'ai jamais parlé de tableaux disponibles, mais uniquement d'une vente possible. Oui, je sais, mais vous n'êtes pas allé à Copenhague et à Zurich seulement pour parler des expressionnistes avec un antiquaire. Je voulais avoir une galerie bien à moi. Ah oui, pour y vendre quoi? Des tubes en carton? Bonjour, Mme Baker. Grâce à mes nombreuses années de travail à la galerie Frey, je me suis fait des relations dont je voudrais me servir. Des relations intéressantes? Mmh. Et un jeu de clés. Dites, commissaire, peut-on condamner quelqu'un seulement parce qu'il a pensé à un acte répréhensible? Oh non. Non, sinon la plupart des gens seront en prison, voyons. Voilà qui est parfait. Écoutez-moi, jeune fouineur. Au début, j'avais pris la décision de reprendre de force l'argent que Silke Frey ne voulait pas me rendre. Je m'étais inventé toute une histoire, ici dans ma tête. Vous vous imaginez ce que c'est? Je suis donc allée à Copenhague et à Zurich proposer aux marchands d'antiquités une éventuelle vente. Car je voulais avant tout me renseigner sur les prix. J'ai eu des réponses négatives partout. Oui, partout. C'est peut-être parce que j'ai subi un échec, ou pour la morale, que je n'ai pas été plus loin. De toute façon, c'est moi que ça regarde. J'aimerais bien sortir et boire quelque chose. Mais vous pouvez partir, Mme Baker. J'ai vu le juge et vous pouvez partir immédiatement, même. Merci. Heureux les simples d'esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Ménagez votre foi ou vous irez vraiment au royaume des cieux, où il n'y a pas d'alcool. Chouette, alors. Vous la laissez partir? Vous l'avez cru? J'ai vérifié, ces clés n'ouvrent pas partout comme celle du trousseau de Monsieur Frey. Une des trois serrures a été changée récemment. Mais enfin, par qui? C'est Laloïc, justement. J'ai pas trouvé la facture du serrurier dans les livres de compte. Alors, il faudra que je le demande à Mademoiselle Zibon. Je l'aurais juré que t'aurais pas laissé échapper une occasion pareille. Vous voyez que j'ai bien fait de prendre votre numéro de téléphone? Ah oui, pourquoi? Pour que je puisse vous interroger. Ah bon? C'est l'homme du monde qui parle ou bien c'est l'inspecteur? Merci. Merci. C'est l'inspecteur. Pour l'instant. Je vous écoute. Savez-vous si, depuis le licenciement sans préavis de Mme Baker, on aurait fait changer la serrure de la galerie? Non, non. Non, comment se fait-il que ni la clé de M. Frey ni celle de Mme Baker n'ouvrent plus? Leur clé n'ouvre plus? Il y en a deux qui ouvrent, pas la troisième. C'est étrange. Est-ce que vous avez les clés de la galerie? Non. Qui peut avoir changé la serrure de cette fichue porte? Vous n'auriez pas une idée? Non. Ah si, j'ai peut-être une idée. Je me rappelle qu'il y a un serrurier qui travaille beaucoup pour Monsieur Frey et qui est venu nous installer quelque chose un jour. Et vous savez comment il s'appelle? Non. Mais pour ça, vous pourriez peut-être interroger Monsieur Frey. Je sais très bien à qui vous pensez, mademoiselle, à la firme Altamer. Ils ont réparé presque toutes mes serrures. Je vous donne son adresse. Ça y est, la voilà.
Altamer, 27 rue des Écoles. Vous voulez son téléphone? Non, merci, je vais y faire un saut. Dites bonjour à Altamer pour moi. Mais surtout, dites-lui que je vais bientôt lui confier un autre travail. Vous feriez mieux de l'appeler vous-même. Vous connaissez son numéro, je crois. C'est vrai, suis-je bête. Où avais-je la tête? Je vous souhaite de réussir. Merci. Vous aussi, je vous remercie. Ayman, brigade criminelle. J'ai une ou deux questions à vous poser. Ah, vous venez certainement pour un cambriolage. Comment le savez-vous? Oh, quand la police va chez un serrurier, c'est toujours à cause d'un cambriolage. Cette fois, à votre cambriolage, il faut y ajouter un meurtre. Ah, Madame Frey, je sais. Pauvre femme. J'ai vu ça dans le journal. Ça m'a fichu un choc. Avez-vous changé une serrure à la galerie Frey dernièrement? Ah, pas la galerie, non. J'ai encore jamais travaillé pour la galerie Frey. Non, moi, j'ai surtout fait des petits boulots pour Monsieur Frey. C'est pas lui le bon. C'est pas l'homme qui a changé le verrou de la fenêtre du stock, inspecteur. L'autre, il était plus jeune, environ la trentaine. Et puis, il était plus petit. Ah, ça doit être Wilke. Il a à peu près la trentaine. Ah, Monsieur Frey le connaît très bien. Alors, comment ça s'est passé, Wilke? Mais je vous l'ai déjà dit, commissaire. Oui. Non, mais j'aimerais que vous recommenciez pour que Monsieur Frey l'entende aussi. Comme vous voulez. Voilà, ça s'est passé comme ça. Monsieur Frey m'a dit que... Enfin, sa femme, vous savez, celle qui tient la galerie, avait besoin d'une nouvelle serrure. Alors, je me suis présenté chez elle et tout s'est passé à la perfection. Je lui ai installé une nouvelle serrure. Une serrure de sûreté. Et puis, je suis passé la voir, comme convenu, un samedi après-midi, je crois. Je me souviens que sa femme était présente. Il y avait, paraît-il, des peintures de valeur dans la galerie. J'ai remplacé la serrure par l'autre. Elle m'a payé et je suis parti. Et ensuite? Ensuite? C'est tout. Mais oui, Monsieur Wilke, mais tout à l'heure m'avait bien dit qu'il y avait autre chose. Ah oui, je vois. Eh bien, voilà. Oui, Monsieur Frey... excusez-moi, Monsieur Frey, mais je ne peux pas mentir au commissaire. Vous me comprenez? Le jour suivant, Monsieur Frey est passé à la boutique pour me demander un renseignement. Oui, s'il existait un double de clé pour la nouvelle serrure. Moi, je n'ai pas essayé de comprendre. Après tout, c'est lui le mari de Madame Frey. Alors, que voulez-vous? Je lui ai donc donné le double de la clé. C'est tout, commissaire. Merci, Monsieur Wilke. À votre service. Au revoir. Je voudrais que vous sachiez que ce ne sont pas vos mains qui vous ont trahi. Je ne le voulais pas. Je voulais lui faire du mal, qu'elle souffre. Mais pas ça. Non, pas ça. Qui pouvait imaginer qu'on se serait rencontrés là-bas? À 1h du matin. Ici chez moi. Tu le vois, non? Mais pourquoi? À une heure pareille, comme un... Mais enfin, comme un... Et dis-le, comme un voleur, c'est ça? Tes antiquités ne se vendent pas. Oh, mais si, elles se vendent même très bien. C'est bien toi qui m'as empêché d'assurer mes toiles quand je le voulais. Exact. Quel pauvre type. Mon cher mari n'est qu'un voleur minable. Et il le fait pour me ruiner. Et tout ça parce qu'il ne supporte pas que je puisse réussir sans ses bienveillants conseils. Mais quelle réussite! Tu as eu de la chance. Et Charlotte, heureusement. Tu n'es qu'une garce inculte qui a de la chance. Alors, on forme un joli couple. La garce et le voleur minable. D'ailleurs, si j'appelle les flics, tu te retrouves en prison. Chiche. Pourquoi faire? Tu ne mérites pas qu'on se donne tant de mal. Tu n'as jamais rien signifié pour moi. Non, jamais, tu m'entends, mais tu étais un homme riche.
et surtout très généreux. Et c'est vrai aussi que tu te débrouillais assez bien au lit. Tu m'as acheté des bijoux, des fourrures, une voiture et surtout la galerie. Mais je n'ai plus envie de te voir. Non, c'est impossible. Tu m'as aimé, Silke, tout au moins au début. Jamais. Pas une seule seconde. Tu n'as pas oublié Taormina? À Taormina, je me suis même envoyée en l'air avec le groom. Et toi, pendant ce temps, tu m'as acheté un cadeau. Tu n'es qu'une sale menteuse. Je n'ai pas cessé de te mentir, mais ça ne m'amuse plus. Tu n'es qu'un pauvre type. Silke. Silke, je t'aime autant qu'avant. Et moi, je n'aime pas les imbéciles. Mais que faut-il que je fasse pour que tu disparaisses de ma vie? Veux-tu que je t'énumère tous les hommes avec qui j'ai fait l'amour? Quand comprendras-tu que je me suis seulement servi de toi? Tu n'étais qu'un pantin. J'ai seulement eu besoin de ton sale fric. Sinon, je ne t'aurais même pas regardé. Tu es mou, et vieux, et laid, et con. Tu n'es rien!